Re-salut les amis, et donc voilà, c'est la vidéo qui a suivi. Voilà la vidéo du compte à rebours. Et donc là, j'ai les succès en main. Donc Apocalypse Now, Baroudeur Glorieux, ça on s'en fout un petit peu. 41 millions d'XP, c'est énorme. Et j'ai validé l'hiver arrive, donc des succès du Dofus des Glaces. Et là, allez, allez, putain, on va lui parler. Allez putain, ça fait 10 jours de farm, de quête, du Dofus des Glaces. Donc tendre la montre au compte. Ok, on fait ça. Hop, s'éloigner. Ok. Ouais. On va dire merci quand même. Merci mec. Allez. Une petite dédicace là à... aux amis que j'aime bien, genre à Naufel, à Karim, à Mouad, à Django, qui me suit tous les jours. Donc là, il faut faire quoi, putain? Allez, putain! Il faut cliquer ici, ok. Allez, hop. Ok, faut lui reparler. Ah, putain, je suis chaud, ça fait 10 jours de farm, de quête. Essayez de le calmer. Calme-toi, s'il te plaît. Je veux que le Dofus, moi. Je m'en fous. Allez, 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 allez. Allez, les amis. Un Dofus de plus qui va arriver. Pour ceux qui m'ont pas suivi. Donc, j'ai fait. J'ai déjà fait les Dofus des quêtes. J'ai fait le Kaout, l'Émeraude et le Pourpre. Et là. On va parler à Joule. Commencer à parler à Joule. Ouais. Et donc là, ce problème. La malédiction, on va. Ouais, on va faire genre les mêmes trucs pour ne pas. Attends. L'intégration sur le. Lui, conseille de laisser. Allez, on va faire ça. Je sais pas, je vais pas lire. Je m'en fous. Ouais, ça a mis la quête à jour. Ça, c'est bien. Parler d'autre chose. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah non, il faut lui parler à d'autres choses en fait. Il a encore le truc. Parler de la malédiction, je pense. Ce point. Ok. Et là, en fait, il y a un petit truc. Il donne un petit, genre, comme un petit bonbon, une état. Et cet état, c'est énorme. Surtout pour les personnes PVP. Donc, je vais vous montrer ça. 50 puissance et 15 dommages. Ah non, c'est pas aussi énorme que ça. Je me rappelais d'avant. C'est pas grave. Donc 50, mais en fait, c'est 30 combats. Voilà. C'est pas mal, hein. Surtout sur des Zernels. 15 dommages, ça viole, quoi. Allez. Continuer à lui parler quand même. La discussion, on s'en fout un petit peu. C'est comme si qu'on allait lire tout ça. Allez, putain. Je l'ai toujours pas et je suis aussi fier. Je sais pas pourquoi. Ouais, nier et tout ça. Je pense que j'ai ouvert une conversation que j'ai même pas d'ouvrir. J'ai même pas besoin d'ouvrir. Je dis n'importe quoi. Excusez-moi les amis. Mais... allez, 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 putain, allez. Stop parler, putain. Il faut prendre le Dofus. Il est là, putain. Là, là, là. Allez, niez, niez, niez tout ça. Allez, on s'approche. J'y vais normalement et très, genre, on va dire gentil. Il va nous passer le. Allez, regarder. Lui demander. Sortir. L'interroger. Allez, on va faire ça. On va s'arrêter jusqu'à répondre. Ah non, même plus. C'est pas grave. Ok, allez, s'il te plaît. Ça met un petit peu de temps. C'est normal, 6 personnages qui prend le Dofus, c'est pas
C'est pas rien, les amis. Allez, hop. Ah, ok, j'ai ouvert une conversation que je pense que c'est pas la bonne. Ok. On va continuer à lui parler. Donc là, répondre que le comte a été victime de la fatalité. Le comte était l'ennemi public numéro 1. Voilà. Allez, putain. Yes! Yes! Lame de glace. C'est ça la quête ou pas? Je sais pas. On verra. Je me rappelle pas trop. Ah non, c'est pas. Je l'ai pas encore eu. C'est juste un succès. Il y a genre. Ouais. C'est pas encore ça. Allez, prendre le devis des glaces. Hop. Allez, s'il te plaît, donne-moi le devis des glaces. Yes! Allez, putain! Oh! Oh putain! F à la neige. Oh putain, il est là! Allez putain. Tu vas faire quoi maintenant? Là les amis qui sont un petit peu habitués. Hein. Oh putain, l'XP que je vais prendre et les ressources et tout ça. Je vais vous faire en fait un petit bilan plus tard pour voilà les ressources que j'ai eues par le Dofus des classes. Ou même dans cette vidéo. Pourquoi pas. Donc là, accepter. Tout les putains, un œuf qui arrive tranquillement. Allez, yes, putain, yes. Oh putain, yes. Je vais vous montrer. Donc, 7, ça fait genre le mois 3, j'ai eu le lac-out. Le mois 3, 25, j'ai eu le pourpre. Le mois 3, 22, j'ai eu l'émeraude. Et là, le mois 4, 14, j'ai eu le Dofus des glaces. Putain. Allez, on va le mettre. On va le mettre ici. Ouais. Ouais. Ok. On va le mettre. Allez, il est le plus beau. Donc. Hop. On va le remettre un petit peu en haut. Comme ça. Allez. Yes, putain. 20 dommages, ça fait vraiment plaisir. Ça fait énormément plaisir même. Voilà, les amis, c'est top. Les sarrojo le blé. Aïe, putain. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, putain. Et là, en fait, si je mets l'émeraude, ça fait plutôt un pff, genre full Dofus, quoi. Ça fait beau, on va laisser ça comme ça. Allez putain. Allez putain, allez. Mets-moi ces putains de DDG. C'est cool les amis, on va mettre ça. Hop. Là en fait, avec le tutu en quête qui arrive, je vais le faire. Bien sûr, je vais essayer d'être le premier inter-serveur à l'avoir. On verra, je dois me connecter sur la bêta, voir un petit peu d'avance les quêtes et tout ça. On verra, on va juste sauvegarder le stuff. Yes, putain, ça fait 6 Dofus des glaces d'un seul coup, c'est énorme. On va laisser l'œil pour en dernier plutôt. Ouais. Là, en fait, les Unitrophes doivent XP. Donc là. Allez, on va réduire un petit peu le rox. Ou le retrait. Allez, le rox. C'est pas grave. Ça fait un Dofus de plus, un rox de plus. Donc, ça va. Donc là, je vais mettre ça à la place de quoi? Non, je vais pas le mettre alors. Sinon, à la place du Chaot. Mais c'est pas grave. Trois lignes, ça rox un petit peu plus. Une petite dédicace à Oxford, du coup, qui veut voir tes vidéos.
Je vais lui montrer un petit peu le taux de TDG. Allez, donc là, allez, faut sortir. N'a plus rien à foutre ici. Donc là, je vais, vous allez m'accompagner pour l'ornement. Je sais pas quel ornement je vais avoir. Et donc, je vais faire, en fait, il faut faire un petit peu le tour, parler à des PNJ et tout ça. Et donc, une fois fini, je vais, on va faire une petite ellipse. Une fois j'ai fini le tour, on va reprendre. Donc, à plus. Re les amis, et donc là on va direct par le PNJ qui donne les titres. Ok. Ok. Donc sans hésitation, sans réfléchir, je vais faire jouer des immortels que j'ai fait avec l'ancienne team. Accepter, bien sûr. Yes, putain. Donc je sais pas pour le prochain objectif, mais sûrement. Sûrement, ça sera le double boss avec la même team, la même optimisation. Bien sûr, ne t'inquiétez pas. Donc, je fais pas genre, voilà, d'un jour au l'autre, je me fais genre masque à main. Voilà, j'ai pas de Kama à part ce stuff-là que j'ai. Donc, j'ai pas d'astuce, je fais pas d'astuce. De toute façon, je fais que du PVM. Et donc, ça sera du full, donc double boss. Et donc on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on va juste mettre les petits ornements. Allez, ornement et titre. Oh, putain, plutôt le... Ouais, l'ornement et le titre, les deux. Donc on va vers jouer des immortels. Ouais, jouer des immortels direct. Allez, ornement, baroudeur glorieux, bien sûr. Yes, putain. Ça se développe, hein, la team. Pour être précis, je suis à 29 jours d'abonnement. Donc, 29 jours depuis la création de la team. Et donc là, en fait, je vous propose d'attendre une petite minute. Et pour, en fait, je vais genre regrouper tous les stocks de ressources Rigostroa que j'ai dans un petit coffre. Et pour vous faire voir un petit peu... Toutes les ressources Frigos 3 qu'on a accumulées pendant tous ces donjons-là, ces quêtes-là et tout ça. Et donc, à plus. Et voilà le petit coffre. Donc, qui s'élève à genre 130 millions de Kama. On a des pas mal de scapulas. Qui s'élève à 20 millions. Tout ça. Donc, c'est plutôt rentable. Vu que, voilà, la team commence à être rentable. C'est un coffre qui est juste de Frigos 3 et de zone Mercator. Un petit peu de ressources Mercator, pas énormément. Et donc voilà, les culottes Missis à 19 millions. Donc c'est plutôt rentable, la team commence à être rentable. Et surtout que j'ai pas encore touché à n'importe quel succès de Frigos 3. Et je vais faire tous les succès, à part les duos, les succès qui sont très durs. Mais on va essayer de garder que les duos. Et de faire genre les succès de double boss. Comme ça on va blinder le coffre. Je vais pas vendre, je vais pas essayer de vendre les ressources. Je vais genre accumuler, accumuler, accumuler. Crafter des panneaux pour le level 200 et vendre et me faire un petit peu de Kama plus tard. Et donc sur ce, je vous quitte et je vous dis à très bientôt. Donc dans de nouvelles aventures, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre, si vous voulez m'encourager. Et donc, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bye bye.